Yo tout le monde, c'est Timus176, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc pour cette vidéo, je vais faire un petit tuto. Et le petit tuto, ce sera le bloc invisible. Donc si vous êtes dans Minecraft et que vous voulez faire un bloc invisible pour des maps, que vous voulez créer ou je sais pas, ou faire des trolls, ben voilà. Donc déjà pour ce troll, enfin, pour le bloc invisible, il vous faut déjà faire le portail du Nether. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je peut-être. Donc voilà, si vous ne savez pas faire le portail du Nether, je vais vous le montrer. Donc 4 en dessous. Ensuite, on fait encore 4. 1, 2, 3, 4. Ce qui va faire 5 avec l'autre. Ensuite, on refait 3. 1, 2, 3. Et après, on redescend. Voilà. Comme ça. Ou sinon, vous pouvez faire des plus grands. Hein. Je vais vous montrer comme ça. Hop, vous mettez comme ça. Vous montez super haut. Hop, on va casser ça. Hop, voilà. On va fermer tout ça. Voilà, vous pouvez faire à la hauteur que vous voulez, mais le portail basique, c'est celui que je vous ai montré bien avant. Enfin, avant ce portail. Ensuite, on va activer le portail, et voilà, donc vous voyez, on peut faire des portails super grands. Et voilà. Donc ensuite, donc en survie, ça va être très chaud, mais pour faire un bloc invisible, il vous faudra en même temps que sauter dans le portail. Voilà. Donc là, j'ai pas fait. Je vais vous montrer juste après. Voilà. Là, on ressort. Voilà. Donc en même temps, rentrer dans le portail, il vous casse un bloc. Donc je vais vous montrer comme ça. Non. Ah non. J'ai pas réussi. Mais c'est un peu chaud parce que en survie, il vous faut une pioche en diams et miner en même temps que. C'est un peu chaud. Donc on va essayer. Oui, j'ai réussi. Et là, regardez. Et voilà. Vous avez vu? Le portail, il est toujours là, mais j'ai cassé un bloc. Là, j'ai pas réussi. Donc, il vous faut faire comme ça. Donc, voilà. Ensuite, on va casser un peu. J'ai pas réussi. Mais c'est chaud parce que vous savez pas quand vous allez utiliser. Voilà, j'ai réussi. Donc, voilà. Donc faites comme moi, hein. C'est important. Et voilà, là vous avez toujours le portail. Et si je casse, il disparaît. Et il y a le bloc qui réapparaît. Donc il vaut. Donc voilà, moi je vais faire avec un portail basique. 2, 3, 4. Hop. Voilà. Moi je fais avec un portail basique, c'est beaucoup plus simple. Attends, on va le faire dans le sol. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple avec un portail basique. Là, hop, hop. Ensuite, on prend le briquet, on allume tout ça, et voilà. Ça nous fait le portail, ensuite on rentre dedans. Oui, c'est vrai, pour casser. Voilà, et ensuite, voilà, on casse. Et là, ça vous fait ça. Hop. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on a un trou. Là. Là. J'ai réussi à recréer un autre portail. Ok. Bon, non, mais c'est normal. Hein. Ah. J'ai pas réussi. À refaire. Voilà. Ensuite, on rentre. On va casser tout ça, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Et ensuite, vous prenez une porte. Non, les portes, c'est là. Ensuite, on prend une porte et voilà, ça prend le bloc. Et là, vous voyez, ici, il y a un bloc invisible. Si je mets le curseur ici, vous voyez, il y a un bloc invisible.
On peut pas l'utiliser. Et voilà. Ça vous fait un bloc invisible. Donc pour vos maps troll, hein, regardez, vous faites un petit couloir. Comme ça. Voilà, vous faites un petit couloir. Voilà, si vous voulez faire des maps troll. Et là, vous montez ici. Et là. Ah, c'est bloqué, c'est bloqué. C'est bloqué. Vous voyez, ça fait un bloc invisible. Vous voyez, c'est très choquant. Donc voilà, place le curseur ici. Ensuite, je veux bien tester un truc. Voilà, après, vous pouvez faire disparaître le bloc invisible. Juste en plaçant une porte dessus. Voilà. Ça marche. Ah ouais, là c'est bon, j'ai recréé un autre bloc invisible. Voilà. Là on peut en recréer un aussi. Hop. Ah non. Non, celle-là, ça marche pas. Et là, vous voyez, il y a un bloc invisible ici. Attends, je vais regarder s'il fait ce. Donc là, il y a un bloc invisible. Voilà. Ensuite, je sais. Ensuite, si vous voulez faire un bloc entier. Enfin, je sais pas si ça marche, j'ai jamais essayé. On va voir. 1, 2, 3, 4. On va essayer si vous, si on fait un, si on veut faire un bloc entier. Hop, attends. Donc, je vais dormir, hein. Je vous reprends dès que le jour est passé. Re, donc, c'est bon. J'ai fait passer la nuit. Donc, on est le jour. Et là, on va essayer. Donc, si on peut mettre un bloc entier. Donc voilà, là on fait le portail. On casse. Ah non. J'ai pas réussi. Donc, hop, le portail. Ensuite. Ah, j'ai pas réussi. Ah non. Voilà, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud de faire le truc. Yes, c'est bon, j'ai réussi. Allez, maintenant on casse tout ça. Voilà, donc le bloc, normalement, là. Ah. Ouais. Bon. Donc ça marche que avec une porte parce que c'est deux de hauteur et du coup ben, vous avez le bloc et vous avez le. Donc ça marche que avec un. Donc ça marche que avec des portes. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ça marche que avec des portes. Parce que vous avez les blocs ici. Et voilà. Donc si vous mettez un bloc de terre avec le bloc invisible, ben, vous avez vu le bloc de terre, il a pris forme de l'obsidienne. Et là, on n'a pas eu de bloc parce que c'est de 1 ou 2 hauteurs. Mais si vous mettez une, si vous prenez une porte, voilà, et que vous la placez, le bas, il va prendre la forme du bloc d'obsidienne, et le haut, il va se mettre en invisible. Donc, parce que si, parce qu'il va considérer qu'il était cassé, mais en fait, non. Il y a le haut qui est toujours là, du coup ben, ça va faire un bloc invisible. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire avec un bloc. Il faut une porte. Sinon ça marche pas. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et si c'est le cas, mettez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et mettez des commentaires à mes vidéos pour me dire soit. Quel genre de vidéo vous voulez voir? Allez, ciao!